فريد ولدي غادي تروح في بلاصتي وما تخليهمش يهدموا النظار. مو ان الجيري Qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? Je parle même pas l'arabe. Pour les concours, comment tu vas faire? Je t'ai dit, je pars une semaine, c'est rien. Une slama à l'école. Tu vas l'envoyer, lui? C'est pas parlant, on dirait Barry White en Kabyle, lui. Ah, Farid, c'est ça? Pégale. Là, je suis bien venu. Ils ont donné le poteau. Non. Si, 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 toi. Ah, je viens, je te présente mon cousin de la France. Soyez le bienvenu. Et ici, comment ça va? L'Algérie, c'est un pays riche. L'Algérie, c'est un pays riche, mais on n'a pas d'argent. C'est quoi ce bordel? C'est la morée dans le pré ou quoi? T'es où? Un peu d'intimité, c'est possible ça? Tu sais comment on dit intimité en arabe? Ça n'existe pas. Avec le pape d'Intag. Ouahara, Inch'Allah. Zid. Moi aussi, je vais naître à la France. C'est mon père qui devait partir à la France. Alors, pas tenir là-bas. Et moi, je suis venu ici. C'est comme ça. Comment ça, elle est partie en France? Je suis français. Je veux juste rentrer chez moi. C'est que vous êtes français, c'est pas marqué sur votre front. Hein. Il est venu pour une semaine, il est bloqué ici. Elle est belle, Samira. On rêve tous de se marier avec elle ici. Depuis que je suis tout petit, quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens d'Algérie. Pourtant, j'y avais jamais mis les pieds. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Dégage-toi. Et c'est pas un immigré comme vous qui va nous expliquer comment gérer notre pays. Je ne savais rien du pays de mes parents, où ils étaient nés et comment ils avaient grandi. On n'est jamais trop curieux quand il s'agit de sa propre histoire.